Est-ce que ça va, t'es bien installé, ton siège et tout? Essaye de freiner à fond. Là ou ça? Ouais. Vas-y, vas-y. Oh, il est fou. J'espère que vous allez bien les gars, on se retrouve aujourd'hui avec votre youtubeur marseillais préféré les amis. Et aujourd'hui les amis, grosse vidéo et attention, ça va être super dangereux. J'ai peur, j'ai vraiment peur pour ma Audi TT. Pourquoi? Parce que je vais faire conduire Geekmap mais il n'a pas le permis. Je n'ai aucune notion en voiture, tout ce qui est... Si j'ai déjà construit, j'ai déjà conduit un karting, ça compte? Un karting? Ouais. Ouais, c'est à peu près comme un karting, mais j'ai un peu peur. J'ai un peu peur. En fait, pourquoi je fais conduire ma voiture à Geekmap? Parce qu'en fait, Geekmap, il n'a pas encore le permis, mais il va passer le permis. En fait, il ne sait pas s'il fait le permis automatique ou le permis manuel. Ça, là, cette Audi TT là, c'est une voiture automatique. Du coup, j'ai dit, tu sais quoi, je vais te faire essayer l'automatique, c'est facile. C'est un peu comme un karting ou sinon une auto-tamponneuse. Tu vois, sauf que là, tu rentres pas dans les murs en fait, hein, fais gaffe. Hein. Ah, ok, parce que j'ai failli mal comprendre. Non, fais gaffe, fais gaffe. Du coup, je vais essayer de t'apprendre les bases. Bon, y a rien à comprendre, hein. T'accélères, tu freines, t'accélères, tu freines et c'est tout. Ah, c'est okay, simple, basique quoi. C'est simple, basique. Est-ce que tu stresses un petit peu? Pas du tout. Pas non, moi en fait je stresse. Genre tu stresses pas? Non, je stresse pas juste pour toi en fait. Je stresse pour toi pour te niquer la bagnole. Je veux pas te la niquer en fait, tu vois. Parce en fait, moi j'ai peur que genre. En fait, je vous dis exactement de ce que j'ai peur. En fait, sur la voiture, c'est simple. Il y a un accélérateur, il y a un frein, les amis. C'est bon. L'accélérateur, bah tu accélères et le frein, tu freines, tu vois. Et j'ai peur qu'en fait il accélère et que d'un coup il s'en mêle les pinceaux parce que du coup il a jamais conduit. Et que d'un coup, au lieu de freiner, il accélère encore plus, tu vois. Et que là, paf, carnage. Genre là, j'ai vraiment peur de ça en fait. Ouais, on verra bien, tu vois. Non, bien, ok. En tout cas les amis, si jamais vous kiffez ce genre de vidéo où c'est que j'apprends à Geekmap à conduire, en fait n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu en bas de cette vidéo, je compte sur vous les amis. Et n'hésitez pas les amis à me dire en commentaire, vous m'écrivez un petit commentaire pour me dire vous qu'est-ce que vous avez comme voiture ou vos parents qu'est-ce qu'ils ont comme voiture et est-ce que vous les avez déjà conduits. Voilà, j'attends tout ça en commentaire. Et surtout les gars, n'hésitez pas à vous abonner, c'est très important. Abonnez-vous, activez la cloche pour suivre toutes les autres vidéos. Bon poulet, je vais te faire un petit peu le topo de la voiture, ce qu'il faut savoir, ce qu'il faut pas faire, ce qu'il faut faire et tout, ok? Ok, ça va. Ok, let's go. Alors, Geekmap, ici nous avons une Audi TT, tu vois, une Audi TT, franchement, elle est très très facile. Elle, c'est pas la plus puissante des Audi TT, elle a 211 chevaux. Que... C'est ça, il y a 4 roues. Non, juste 2 tractions avant. Tu peux pas genre partir en drift, tu vois. Tu peux pas genre faire des donuts avec, tu vois, mais ça c'est pas mal. C'est pas plus mal en fait. Il y en a qui ont déjà commencé à faire des... Ouais, ouais, il y a un petit peu des traces ici, là, c'est des malades les mecs. Ensuite, ce qu'il faut, c'est qu'il faut pas avoir peur, parce qu'en fait, dès que t'appuies fort, elle part. Mais bon, si tu appuies fort, hein, si tu appuies doucement, elle part pas, elle part doucement. Vas-y, ben on va monter dedans et je vais essayer de tout te montrer, ok? Attention, c'est parti! Merde, sont où les clés? Ah non, c'est bon, je les ai. Oh là là, le mec il commence à faire des prags. Oh là 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 là, ce bruit! Impressionnant! Let's go! Alors ça fait mal. Ah, le levier de truc là, aïe, le frein à main, il fait mal. Bon poulet, est-ce que tu es prêt à apprendre? Alors en même temps, fais attention parce que tu as filmé, mais en même temps faut que tu comprennes. Ah ouais, non mais je sais pas faire deux choses en même temps. Alors poulet, ce qu'il faut faire, la voiture elle sera déjà démarrée, ok? Elle sera déjà démarrée, du coup voilà. Là, le truc qu'il faut faire, tu vois, c'est que là, tu es en frein à main et là t'as le pommeau de vitesse on va dire. Mais bon, ça tu t'en occupes pas trop. Le seul truc que tu vas faire en fait, c'est que là, tu vois, elle est à l'arrêt. Tu enlèves le frein à main. Ouais. Si jamais tu lâches le frein, t'inquiète pas, il se passerait. Voilà, j'explique, hein, vite fait, bien fait. Mais en tout cas, les amis, vous inquiétez pas, on est sur un parking fermé en fait. On ne risque rien. On risque de blesser personne. On risque juste des dégâts matériels pour nous en fait, pour abîmer la voiture. Mais vous inquiétez pas, c'est fermé, il y a personne, on va tuer personne. On est en toute sécurité, nous sommes des professionnels. Nous sommes des professionnels. Du coup, voilà, là, tu vois, j'ai enlevé le frein à main. Ça marche toujours. Le seul truc à avoir à faire là, c'est juste freiner, appuyer ici, tu vois, regardez, regarde. Ici, tu vois, il y a un petit bouton ici là. Ouais. Tu vois, tu appuies et tu mets en D. Si tu mets en S, c'est juste mode sport. Si tu mets en N, ah mais moi j'ai le mode sport moi. Ah non, non, je vais te calmer déjà, hein, on va commencer en petit truc. Hein. Si tu mets sur R, c'est marche arrière. Ou mais pas marche arrière parce que si tu appuies, tu pars en derrière. Bah tiens, mon D, t'as toujours le pied sur le frein. Mmh. Voilà. Et quand tu lâches le frein, la voiture avance. Ouh. Tu vois. Et si tu freines, ça freine. Mais il faut pas genre. Faut pas que. Tu vois, faut pas que tu freines d'un coup. Parce que si tu freines d'un coup, tu vas t'arrêter net. Faut que genre tu doses ton freinage, tu vois. Du coup voilà, regarde, je sais pas si ça va filmer.
Mais tu vois là, t'as la pédale de frein juste ici là, juste ici, et l'autre à côté, c'est la pédale d'accélération. Du coup, si tu freines doucement, ça freine, et si tu accélères, ça part comme ceci, tu vois. Ok. Là, on est en train de rouler là actuellement. Là, on roule. Ouais, là, on roule. Le volant. Alors, quand tu regardes aussi, je vais essayer de te faire à peu près comme on m'a appris à moi, ok. Tu regardes toujours au loin. Tu regardes pas genre devant, tu vois. Genre, tu regardes pas devant, tu regardes vraiment au fond, genre. Et le volant, tu tournes doucement. Voilà, y a pas besoin de tourner vite ou quoi. Donc là, tu vois, y a les gâchettes de sport là, quand même, dans les voitures. Bah, c'est une voiture de sport, tu vois. Lui, il va pas se garer ici quand même. Est-ce qu'on a réellement un mec avec toute la place qu'il a? Il vient se garer pile où on veut, quoi. C'est waouh! Clairement, sa voiture elle est un peu en plein milieu, tu vois. Du coup, voilà, tu vois, là t'as des gâchettes, tu les utilises pas. Voilà, t'as plein de boutons, c'est clignotant et tout. Nous, ce qu'on veut juste, c'est que tu conduises en fait, c'est que tu la fasses avancer la voiture. Ok. Ok. Bon, c'est parti. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va trouver un autre endroit parce que le mec, clairement, il sort. Il nous a niqué la place. Il nous a niqué la place. Bon, on a trouvé la place. Est-ce que t'es prêt? T'as le petit stress là un petit peu qui monte? Non. Pas du tout. C'est pas bon ça, tu sais. Quand t'as pas le stress, c'est pas bon. Ah. Parce que c'est-à-dire que t'as pas peur, c'est-à-dire que tu peux faire une connerie. Ouais, c'est parti. On m'a éduqué à ça, moi. Ne jamais avoir peur. Oh, putain, moi j'ai peur maintenant. Comment on rentre? T'es sérieux? Oh là là, le mec, il sait pas comment on rentre. Alors attends, déjà, est-ce que ça va? T'es bien installé, ton siège et tout? 33,9. Quoi, 33,9? Là, t'es trop près. Mais c'est pas grave, ça, non? Bah, en vrai, ça va te gêner un peu pour conduire. Essaye de reculer un peu ton siège. Comment on fait? Tu appuies sur le là, bouton. Une languette, là. Ouais, ouais, ouais. Oh. Essaye de freiner à fond. C'est là le frein? Ouais. Alors, attends, on va recommencer parce que là j'ai peur. Ça, t'es pas trop loin? Non, en fait, alors je t'explique, tu lèves jamais ton pied. Genre, ouais, tu lèves pas ton pied comme ça en fait. Faut juste que tu poses ton talon et juste tu décales comme ça. Tu vois? Ok. Essaye, vas-y, accélère un petit peu. Non? Ouais. Ça va pas partir? Non, t'inquiète. Oh! De toute façon, on va aller doucement, hein. Et voilà, ceinture de sécurité parce que j'ai un peu peur quand même. J'ai pas envie de mourir. Ok, bon, là on va faire doucement. Tu vas même pas en fait toucher l'accélérateur, ok? Tu vas avancer grâce au patinage de la voiture. Là, tu enlèves le frein à main, tu appuies sur le bouton, et là tu appuies sur le bouton derrière et tu te mets en mode D. Et là, quand tu lâches le frein, ça va avancer tout seul. Magie! Voilà, et quand on va juste entraîner à faire des petits tours, juste à là, faire des petits tours. Rien voilà, tu te charges rien à part le frein. Vas-y, on va. Waouh! Vers là-bas. Regardez, il conduit! C'était un grand. Hein? On dirait comme un vieux, non? Ouais, un peu, mais ça va. Tourne un peu plus vers là. On est à combien là? Là, c'est écrit au milieu. Il écrit quoi? 4 km/h. Ouais! Wouhou! Ouais, on s'amuse! T'as vu? Youpi! Trop bien! Ça fait quoi? Quelle sensation ça fait de faire avancer une voiture? Bah, on dirait un karting en fait. C'est un karting à 30 000 balles. Ah, c'est ça. Et ta première leçon de conduite dans une Audi TT. C'est pas beau ça? Qui ne rêverait pas? C'est royal, c'est premium. C'est premium là, c'est vraiment. Là, perso, je te donne au moins un 10 sur 10. Franchement, t'as bien géré le frein, le volant et tout, t'as bien géré. Okay. Maintenant, on va passer un petit peu à l'accélérateur. Est-ce qu'on ferait pas le recul? Non, recul. Y a pas de radar de recul, il faut regarder les rétros et tout, c'est trop compliqué ça pour t'apprendre. Pas un moniteur, du coup, on va éviter. Alors là, poulet, ce que tu vas faire, c'est que tu vas après lâcher le frein, ok? Et une fois que la voiture est partie, tu vas essayer d'appuyer un petit peu sur l'accélérateur. Oh! Ok, pour taper une petite accélération. Genre, on va dire, tu vas taper une accélération jusqu'au passage piéton sans écraser un mec, il y a un mec qui traverse, ok? Et ensuite, bah, tu vas pouvoir freiner au bout, ok? Donc attention, alors là, tu vas lâcher le frein. Pied au plancher. Non, pas pied au plancher, pas pied au plancher. Non, pas pied au plancher. Vas-y, un peu plus. Voilà, et là, tu freines doucement. Ouais, bon là, s'il y avait un mec qui traversait au passage piéton, on l'avait quand même écrasé. Ouais, mais j'avais vu qu'il n'y en avait pas. Alors là, on va refaire pareil, mais tu vas appuyer un petit peu plus sur le champignon, ok? Mais pas à fond, pas appuyer au plancher. Ah, parce que tu juste veux un petit appuyer, peu. Je vais appuyer, moi. Allez, vas-y, c'est parti. Vas-y, encore un peu, vas-y. Oh, pas mal. Je t'ai vu, la peur en toi. Non, ça va, mais t'as freiné tout seul, c'est bien. Alors déjà, première sensation, qu'est-ce que ça donne? C'est bien. Franchement, c'est pas mal. Franchement, ça m'a donné envie de passer le permis automatique. Oh. Voilà. Là, t'as klaxonné. Bon, moi, je suis chaud pour te faire monter tout seul et que moi, je suis dehors et filmer. Oh, monsieur veut prendre des risques, veut aller plus loin dans cette expérience. Ouais, on veut essayer, je vais essayer. Est-ce que tu crois que t'es capable? Bah, bien sûr. Tu penses que t'es capable? Bah oui. Bon, attention, je sors. Eh, ça te fait bizarre quand même de te voir dans une voiture comme ça là? Ouais, mais tu sais, j'ai investi dans l'immobilier et ensuite j'ai investi dans la voiture. D'accord, ok. Voilà, et après c'est bon. Attention, ouais, c'est est-ce que tu es prêt? Ah, attention, c'est quand tu veux. Doucement, hein. Eh, ça te va bien quand même, hein. Ça te va bien. Ah ouais. Oh, les gars, Geek Mappy conduit. Regardez, il est tout seul dans la voiture.
Incroyable. Et c'est la première fois qu'il conduit une caisse. C'est incroyable. Va pas trop loin quand même, hein. Je vais lui faire peur à un moment donné, je vais en venir et je vais piler genre. Tu vois, ça va lui faire peur, je suis sûr. Parce que lui, je sais, avant le tournage, il a dit « Ouais, t'es sûr qu'on fait le tournage et tout ça ?» Je lui dis « Mais t'inquiète et tout !» Parce que lui, des fois, il dit « Ouais, ça t'intéresse, on fait une vidéo comme ça ?»« Ouais, 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 vas-y, vas-y !» Et après, au final, il dit « Ah ouais, c'est vrai, parce qu'attends, ce que ça vous dit, c'est son petit bébé, tu vois. » Vas-y, là, accélère un petit peu plus. Là ? Ouais, t'accélères un peu plus. Oh ! Il se tape des petites accélérations avec le beau bruit, ça fait plaisir. Alors, poulet, première sensation seule, qu'est-ce que ça fait ? Franchement, c'est... tu sens la liberté de vivre, la sensation que... Genre là, tu peux aller à la plage et tout seul. Ouais. Tu veux faire une dernière petite accélération ? Ouais, tu sais, mais tranquille, tu vois. Tranquille ? Ouais. Allez, ça va. Bon, poulet, t'es chaud ? Ouais. Allez, vas-y, je te regarde conduire. Je te regarde. Eh, les gars, regardez le petit poulet, là, comme il conduit. Regardez comme il est bien et tout. Eh, là, ça y est, c'est devenu un professionnel. Un professionnel, mec. Qu'est-ce qu'il fait ? Oh non, il est malade, le poulet ! Mais il est fou ! Mais il est fou, il a voulu niquer ma caisse ou quoi ? Mais moi, j'ai entendu le bruit du truc qui flippait. J'ai pas osé. Vas-y, ah, qu'est-ce qu'il fait ? Oh, il est fou ! Mais il est mal ! Attends, faut y enlever la voiture là, faut y enlever la voiture, c'est pas possible. Elle est tombée, bah, attends. Comment ce mec ? Parce que là, attends, je suis entre deux trucs. Hop, allez ! Toi, tu perds déjà le permis avant même de l'avoir eu. Eh, c'est bloqué. Attends, hop là, mais il est fou, mais tu es fou ! Genre, t'as même pas eu peur ? Ouais. Non, j'ai pas eu peur. J'étais serein. Mais il est fou. Bon, est-ce qu'on changerait pas de place? Parce que bon, apparemment, tu veux plus que je conduise. Bah, t'es un peu dangereux, on va dire. Oh, j'ai la porte ouverte. Il est fou, lui, il accélère et tout. Il rentre à Marseille. Non. Mets le frein. Alors, mets mode parking. Et voilà, t'es dépourvu de tes fonctions. Déséquipé. C'est en plus, je lui ai dit, ouais, attends, je vais essayer de lui faire peur. Et à un moment donné, je vois vite, d'un coup, je vois 60-70. Et d'un coup, j'arrive. Je dis, oh, pas. C'est fou. En tout cas, je trouve que t'as super bien conduit. Poulet, franchement, félicitations. Même si tu m'as fait un petit peu peur, t'as géré, t'as su survaincre tes peurs. En tout cas, les amis, dites-moi en commentaire, vous, est-ce que vous trouvez que Geekmap, il a bien conduit? Est-ce que vous regardez, il se croit déjà dans une Formule 1, il est malade le mec. En tout cas les amis, n'hésitez pas à aller voir ma dernière vidéo qui s'affiche juste ici, à vous abonner juste là-haut, c'est très important, et à me dire si jamais vous voulez qu'on refasse conduire la voiture à Geekmap, parce que franchement peut-être qu'on essaiera d'aller dans un parking encore plus grand, comme ça il pourrait aller encore plus vite. On s'en dépassera les 5 km. Il est malade ce mec. En tout cas, je vous dis à la prochaine, c'était Pika et Geekmap. Peace. Perfect.